Bonjour et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser ensemble une carte, donc qui est assez simple et à la fois assez travaillée. Il y a pas mal d'étapes à réaliser. Donc elle permet de mettre en valeur la collection Balade en carriole et surtout les papiers. Donc là, c'est du papier 15-15 qui représente des paysages qu'on n'a pas forcément envie de découper. Donc c'est vrai que c'est le papier qui fait un peu le modèle. Et donc c'est un modèle que j'apprécie également parce qu'il peut être décliné pour toutes les occasions. Là c'est vraiment hiver, Noël, etc. Mais on peut tout à fait faire la même base de carte pour un anniversaire ou tout autre événement et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc pour la réalisation, on va utiliser du papier cartonné brune dune. Donc j'ai coupé un morceau de 6 pouces par 6 pouces. On a besoin de 3 rectangles de mystérieuse brume donc que j'ai coupé à 5 pouces 3 quarts par 1 pouce 3 quarts. Donc 5 3 quarts par 1 3 quarts. Et donc ensuite, on va utiliser le papier imprimé de la collection Paysages en carriole. Donc j'ai choisi ce paysage-là et donc on va recouper des bandes pour pouvoir faire notre base de carte. Donc pour assortir les papiers cartonnés au papier imprimé, il suffit de se reporter à la liste des couleurs qui est rappelée pour chaque papier imprimé. Et donc on utilise les couleurs coordonnées. Donc pour commencer, on va tamponner la base de carte. Donc on va utiliser l'encre brune dune pour rester en ton sur ton. Et on va tamponner en seconde génération pour que ça donne un peu de texture, mais sans être trop présent dans le résultat final. Donc je vais utiliser cet arbre-ci qui est dans la collection. On peut aussi tout à fait utiliser celui-ci. Voir les petits pas en fait, ça permet d'habiller le fond. Dans tous les cas, on ne voit pas le motif complet à la fin. Pour tamponner en seconde génération, je tamponne une première fois sur une feuille de brouillon et ensuite je tamponne sur ma base de carte. Donc je vais faire du tamponnage partiel. Donc avec cette même technique, je vais réaliser les tamponnages sur cette bordure-là. Et en vis-à-vis sur la seconde bordure. Donc ma base de carte est désormais prête. Donc on voit les tamponnages et à la fois ils sont relativement discrets. Donc on va pouvoir préparer nos bandes. Donc pour cela, on prend les bandes que l'on a découpées dans le papier mystérieuse brume et on va réaliser les bandes dans le papier imprimé avec le coupe-papier. Donc je vais avoir besoin de bandes de 5 pouces et demi par 1 pouce et demi. Donc on va être obligé de couper un petit peu le paysage. Moi je vais plutôt couper le haut. Parce qu'en bas il y a les ombres des arbres que j'ai pas forcément envie d'enlever. Et donc la bande, on la laisse de côté, on va pouvoir l'utiliser à la fin. Et donc ensuite, on réalise des bandes de 1 pouce et demi. Donc on les laisse bien dans l'ordre au moment des découpes. Ça permettra de s'y retrouver et de ne pas se tromper au moment du collage.
Et la dernière bande, on la garde également. On l'utilisera à la fin pour créer une pochette. Donc je vais pouvoir coller les bandes de papier imprimé sur le papier cartonné. Donc tout simplement en gardant un matage égal tout autour. Donc les trois bandes sont désormais prêtes. On va pouvoir les coller sur la base de carte que l'on a préparée avec les tamponnages. Donc dans un premier temps, je les place sans les coller. Et ensuite, on va pouvoir les coller. Ça permet de s'aligner au mieux. Et donc, je vais commencer par coller celle du milieu. Donc c'est une technique qu'on peut décliner même si le papier n'a pas un motif complet. Alors je respecte le même alignement en haut et en bas. Et donc quand je suis alignée, je fais adhérer la colle. Je fais la même chose pour les bandes sur le côté. Et notre base sera prête. Donc la base de la carte est terminée. Elle est prête à accueillir notre carriole. Pour avancer, j'ai déjà tamponné la carriole. Donc sur du papier blanc simple avec de l'encre Memento. Donc pour que ça accepte la mise en couleur. Donc l'encre Memento permet à la fois la mise en couleur avec les Stampin' Blends, donc les feutres à alcool, et avec la technique que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui avec les crayons aquarellables. Donc il y a deux collections de crayons aquarellables, donc il y a pas mal de couleurs qui sont disponibles. Et donc de la même façon que pour le papier imprimé, on peut choisir dans la liste de couleurs celles qui sont communes avec le papier imprimé pour avoir vraiment un ensemble complètement coordonné. Et on peut jouer aussi avec d'autres couleurs pour amener un peu plus de profondeur. Donc pour la mise en couleur, on va utiliser le pâtisserie opacane, couleur café, un peu de corail calypso. On va peut-être ajouter un peu des tons de gris, je verrai au fur et à mesure. Alors, l'ocre roussillon peut être intéressant. Et on va utiliser également le bleu pour les vêtements. Donc je vous montre la technique sur la carriole et ensuite je continuerai la mise en couleur hors caméra pour que ça ne soit pas trop long. Donc, les crayons aquarellables, ce sont simplement des crayons de couleur. Donc dans un premier temps, je colorie le fond. Donc là, c'est en ocre roussillon. Comme ça, on a déjà une base légèrement colorée. Et ensuite, avec le pâtisserie opacane et le couleur café, je vais venir ajouter des contrastes. Et donc, en appuyant plus ou moins fort sur la mine, on dépose plus ou moins de couleurs que l'on va venir estomper par la suite. Donc là, j'appuie un petit peu plus pour amener de contraste et je laisse des couleurs des zones un peu plus claires
Et donc le rebord, je vais le faire un peu plus foncé avec le couleur café. Je vais rajouter un peu de profondeur également sur les contours. Donc on pourrait laisser simplement l'aspect au crayon. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment sublimé par les crayons estampes. Donc ça se vend en lot de 3. Les pointes sont des points de pinceau. Et donc ça va permettre d'estomper la couleur. Alors ça fonctionne également avec l'encre classique, avec les pastels. Donc je pars des zones les plus claires. Et je passe simplement la pointe pinceau. Et donc ça va venir fondre les couleurs. Alors comme on pourrait le faire éventuellement avec un pinceau aquarelle. Mais c'est vrai qu'avec le pinceau aquarelle, on a tendance à pas forcément maîtriser le geste. On est obligé d'apporter de l'eau. Donc il faut vraiment faire attention. Au contour et à l'encre utilisée. Donc là c'est vrai qu'on est beaucoup plus précis et je trouve que c'est beaucoup plus facile de maîtriser même quand on n'a pas forcément l'habitude. Alors il faut pas trop insister sur le papier pour pas le détremper et qu'il finisse par déchirer. Et donc là ça réalise un fondu de couleur. C'est vrai que c'est un aspect que je trouve vraiment joli. Donc je termine la mise en couleur et je vous montre le résultat. Donc la mise en couleur est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour adoucir un peu les bords très très blancs, on va utiliser toujours l'encre brune dune avec un doigt éponge. Et on va ancrer le pourtour. Alors comme il y a du blanc dans le papier, ça choque pas forcément. Bon, c'est vrai que j'aime bien un peu adoucir les bords. Surtout que là, c'est un camaïeu de marron au niveau de la mise en couleur. Donc c'est vrai que je trouve que c'est très contrasté avec les bords blancs. Donc je fais tout le contour. Et les zones vraiment très blanches, on peut vraiment légèrement teinter. Donc en appuyant vraiment très faiblement sur le doigt éponge. Voilà, ça permet de fondre l'ensemble. Donc sur le ski de la carriole, on va pouvoir ajouter une découpe. Donc ça va être cette découpe-là. Donc, je l'ai déjà préparée. Donc là, elle était coupée dans du pavé de galets. Donc c'est contrasté, à la fois ça reste dans les tons. Donc on va d'abord coller avec vraiment quelques points de colle cette découpe là et ensuite on va pouvoir coller notre carriole sur la base de carte que l'on a préparée. Donc j'aligne sur le tamponnage et je fais adhérer. Donc pour coller la carriole sur le fond de carte, on va utiliser des Stamping Dimensional.
Donc là, ce sont les noirs, donc ce qui permet d'avoir un assortiment. Il y a plusieurs tailles dedans. Donc on va utiliser des grands et des petits. Et ils sont beaucoup plus discrets dans le rendu final. Donc on va en coller quand même pas mal pour que ça se tienne bien. Et donc ça va permettre de donner du relief. Je trouve que ça fait un fini vraiment plus sympa. Ça donne un peu plus de vie à la carte. Donc j'en mets des grands sur les zones les plus grandes et j'ajoute quelques petits, donc notamment sur les bords pour pas que ça s'affaisse en fait. Alors encore plus si ça doit être posté après, pour pas qu'elle arrive complètement écrasée. Voilà. Donc j'enlève tous les adhésifs. Donc pour enlever les adhésifs, je mets également du poinçon de l'outil touche à tout. Ça évite les crises de nerfs. Et donc il nous reste à coller sur le fond. On concentre bien à droite et à gauche et je suis la ligne du bas pour coller droit. Et donc pour apporter une petite touche de brillance et de volume également, on va rajouter des flocons. Alors c'est les flocons également de la collection Balade en carriole. Donc il s'appelle flocon autocollant tout simplement. Donc il y en a des dorés, des bronzes et des blancs. Donc, sur la précédente j'avais mis des dorés. Là je partirai bien sur des blancs. Ça amène une petite finition intéressante. C'est vrai qu'ils sont très fins et très détaillés à la fois. Et il y a trois tailles. Comme ça me paraît bien. Donc voilà le rendu. Donc il nous reste à utiliser les chutes que l'on avait mises de côté de notre papier imprimé. Donc on va le retourner la plus grande et donc j'avais envie de coller cette bande sur le côté et de la coller en U pour créer une pochette. Ça permettra de glisser un petit mot à l'intérieur sans pour autant écrire directement sur la carte. Et donc pour ajouter une finition un peu plus élégante, j'avais envie d'utiliser cette nouvelle perforatrice que je trouve vraiment superbe. Donc, elle s'appelle perforatrice étiquette flocon étincelant et donc c'est proposé avec les tampons flocon étincelant. Donc ça pour c'est un vrai basique hiver et Noël. Donc normalement on coupe des bandes de 2 pouces pour faire des tags, des étiquettes. Donc là, comme ma bande est un peu plus petite, donc je retourne la perforatrice pour m'aligner. Donc on obtient cette découpe. Je trouve que c'est vraiment vraiment chouette comme fini. Et donc on va coller la bande pour créer une pochette. Donc là,
on va coller quand même en U pour pas abîmer le flocon en glissant le mot en dessous. Donc j'ajoute simplement quelques points de colle. Après, la colle est assez forte, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça adhère bien. Voilà, donc là, ça crée une petite pochette. Et donc, avec cette bande-là, on peut rajouter éventuellement une finition en la coupant. Donc, j'avais fait ça sur la précédente carte. Donc, j'avais tamponné joie d'hiver en créant un petit fanion. Là, comme c'est une pochette, j'ai peur que ça gêne. On peut éventuellement créer une... ajouter un sentiment sur le devant de la carte. Et on aurait pu également aussi le coller avant pour créer des bandes pour le rappel de devant. Donc pour cette version-ci, je vais mettre cette bande de côté, je l'utiliserai dans un prochain projet. Donc notre carte est désormais terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto.